Salut les gars. Ouais, je vous ai reperché parce que ça m'amuse. Le chantier de la Serpent de Benjamin avance. Tout doucement mais sûrement. Donc un bon petit shrapnel, c'est un engin qui n'était pas en super état. Donc c'est pas la peine d'en faire trop. Mais j'ai pas allumé la caméra pour ça. On va mettre ça de côté. Puisque moi je suis tranquillement allé à mon point relais. Le mec il dit toujours il est pas pressé d'avoir des colis, il dit qu'il reçoit le message, il saute dans la caisse et il va au relais. Un colis de tonton Mister Romaric nous a envoyé du matos et pas du léger. On a ici 4 kilos dans cette petite boîte. Ah, ça tombe bien, c'est l'heure du goûter. Nous avons reçu des petites résistances. Des petits machins fines pour la langue. Ouh, un petit magret de canard fumé. Ouais, moi je sens. Ouais. Je vais me faire mon petit goûter. Et vous allez voir que même le petit cornichon, pour le goûter, il va préférer le pâté aussi. Le sucre c'est bien, mais. Le reste c'est bien aussi. On en a encore. Aujourd'hui en fait c'est unboxing de spécialité régionale. Bienvenue sur Mani Cuisine. Ah, l'atelier du foie gras. L'anca de truite au magret de canard fumé, mais je me suis fait pourrir gâti de la terrine de campagne. C'est bien en fait, t'as raison, des petites boîtes terrine de canard. Terrine champagnard de truffé. Ma la douce. Il y en a un qui m'a pris au beau quand j'ai dit envoyer vos spécialités régionales. C'est génial. Encore une petite terrine de campagne fumée. Paf. C'était la boîte qu'il ne fallait pas couper dedans. Fricassé de pintade de Montbadiac. Alors ça, tiens, en boîte comme ça, ils font ça. Il n'y a qu'une chose à faire, se goûter, hein, ma foi. Et c'est pas tout. Alors, il a mis un petit mot. Et est-ce que dans les deux boîtes, il y a bien ce que je crois qu'il y a? Alors. Ah la vache, il a mis les deux côtés. Gaz, salut Mani. Tata Géraldine et Tonton Romain ont le plaisir de t'envoyer deux chargeurs. Ah, ça c'est trop fort, ouais. Géraldine a le même nom que ma Géraldine. Donc tu es Gigi. Il y a réellement deux chargeurs là-dedans. IMAX B6 AC. 9 erreurs de commande sur Banggood. Et on t'envoie aussi pour voyager de la bonne nourriture du Périgord. J'ai une enveloppe timbrée avec mon adresse pour quelques stickers pour coller sur mon app si ma Sherpa. Et oui, j'ai arrêté de bâcher, marre de tout casser. T'es pas obligé de bâcher sévère, tu peux y aller un peu cool, et puis après il faut prendre la bonne chignole aussi. Hein? Faut pas prendre Coralie, Tima, T2M, Ventech, Tata GG et Tonton Roro. Bisous à toi, Gigi et à Cornichon. Alors, ma Géraldine s'appelle Gigi parce que mon père s'appelle Gérard et c'est lui Gégé. Donc, tu vois, à table, quand tu dis Gégé, c'est un problème. C'est comme quand tu dis Mani, en fait, parce qu'il y a Mani, il y a Maggie, il y a Mamie, enfin les deux Mamies. Donc, comme tout le monde n'entend pas toujours bien, quand il y a le A et le I, il y en a quatre qui se lèvent. Et on a un petit dessin aussi de la part de Romaric qui nous a fait une petite Mani mobile. On a donc deux IMAX B6 AC, et c'est assez marrant parce qu'on en parle, vous avez vu, dernièrement, on en a plein sous toutes formes possibles et imaginables de rodage. On a reçu avec le petit adaptateur qu'il faut. Alors, voyons voir ça. Alors, ce sont bien les tout nouveaux B6 AC Dual Power, c'est-à-dire, enfin, justement, c'est pour ça que ça s'appelle AC, puisque tu peux le brancher sur la batterie du véhicule ou sur le 220. Et, alors, combien ont-ils de watts, les petits kiki?
Voyons voir ça. Alors, ce sont les 6 ampères, donc c'est bien, ouais, c'est bien les 60, 80 watts. Alors, il faut faire attention. Vous avez 50 watts et 80 watts, pourquoi? Parce que c'est 50 watts sous 220 volts et 80 watts sur 12 volts. Puisque le transfo interne sature. Par contre, si tu mets sur un transfo externe, tu auras plus de patates. C'est pour ça ici, tu peux charger 5 ou 6 ampères. Il faut se méfier. Le système d'exploitation, c'est toujours le même. Relativement simple, repris sur plein de chargeurs actuels. Et ce qu'on voulait voir, c'est Current Drain of Balance LiPo, 300 mAh par cellule. Donc il est capable de balancer 300 mAh sur l'équilibrage pour remonter une cellule par rapport à l'autre. Ce genre de chargeur a quand même, quand tu as une batterie fortement déséquilibrée, ce genre de chargeur a du mal, c'est certain. Il faut passer sur des chargeurs un peu plus balèzes, plus précis, ou des CB86+, qui ne chargent que par l'équilibreur. Pour faire ça, et c'est génial, ces deux chargeurs complètement neufs qu'on a reçus de Tonton et Tata, avec tous les cordons de charge, il y a tout ce qu'il faut, et on va donc pouvoir ajouter ça sur de futurs véhicules Tombola. Et je trouve ça absolument génial. Et dis-nous d'ailleurs, dites-nous Tonton Tata, en quoi tu t'es trompé? Qu'est-ce que tu voulais? Pourquoi tu as reçu cela? Et pourquoi tu ne veux pas t'en servir? Donc là, si tu as cet adaptateur dessus, c'est qu'il y a le mauvais cordon dedans. De charge de 20, je pense. Même pas. Pourquoi tu as mis un adaptateur s'il y a le bon cordon? Ah, celui-là, regarde, ça c'est l'autre. Ça c'est l'autre version. C'est le petit, celui-là, qui a le transfo externe. C'est là. Celui-là, en général, est préféré pour le transport parce qu'il est plus compact. Tu n'es pas obligé de te promener avec tout ton transfo ici. Quand tu vas sur le terrain. Il faut se méfier, évidemment, aussi, il y a plein de faux de ces chargeurs. Il y a eu plein de faux. Déjà, regarde la différence des prises. Là, on a des prises DIN de qualité standard. Les autres, tu as vu, elles étaient un peu plus rouges, plus brillantes. Un autre plastique. Donc, tu as 36 000 fournisseurs de ces chargeurs. Celui qui perd, franchement, perso, je suis jamais tombé sur un faux. Et si je suis tombé dessus, ben, il marchait. Donc, est-ce que c'est vraiment important? Ce qu'on a constaté avec le temps, c'est un déséquilibre au niveau de la charge. Donc, pensez de temps en temps. Tu vois, c'est exprès écrit dessus 80 watts. Mais comme dit, c'est 80 watts sur mon 12 volts, méfiez-vous. Donc, de temps en temps, achetez-vous un multimètre de bonne qualité. De temps en temps, mesurez vos cellules avec un multimètre, un vrai multimètre, pour être sûr que les petits chargeurs là ne sont, font pas des blagues. Parce que, comme dit, avec le temps, ça peut arriver. Et bah, c'est pas tout ça, hein. Je vais aller prendre mon goûter. Puis la voiture à Benjamin, bah, forcément, elle va attendre. Hein. Il y aura un petit délai. Désolé, Benjamin. Hehehe